Si je veux attirer beaucoup d'argent, je dois me voir avec beaucoup d'argent. Je dois accepter mentalement que je l'ai déjà. Je ne laisse pas mon compte en banque me dicter cela. Je choisis cela. Je me choisis moi-même de me voir avec un bien que je désire déjà. Je suis sur cette fréquence. Le piège est de rester sur cette fréquence. La plupart des gens regardent le résultat et ils le laissent leur dicter la fréquence sur laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi ils continuent d'avoir les mêmes résultats. Ils ont l'image dans leur esprit. Ils ont déjà atteint le but qu'ils veulent. Ils ont déjà réussi et quelqu'un d'autre arrive et dit, eh bien, vous n'avez pas obtenu ces résultats. Dans mon esprit, si. Mais eux ne regardent pas dans mon esprit. Ils regardent mes résultats actuels. Et puis très bientôt, je commence à les écouter et je me dis, oh mon Dieu, ils ont raison, je regarde mes résultats. Je ne les ai pas obtenus. Vous voyez pourquoi nous continuons d'avoir de mauvais résultats? Vous devez vous voir avec le bien que vous désirez. Vous devez garder cette image dans votre esprit. Vous devez savoir qu'elle va tenir et qu'elle va attirer tout ce qui est nécessaire. Vous voyez, rien n'est créé ou détruit. Tout est déjà là. Si ce n'est dans une autre fréquence, certainement dans une autre. Ou si ce n'est dans un état, certainement dans un autre. Nous devons nous mettre sur la fréquence du bien que nous désirons et nous l'attirons dans notre vie aussi sûr qu'il fera noir cette nuit.